Hey les gens, salut, ici Armandio. Je sais pas si le début de l'enregistrement a bugué ou pas, c'était bizarre. On est aujourd'hui sur Daisy, on va arriver sur l'aéroport qui est une des zones les plus fréquentées du jeu et les plus dangereuses. Il y a tant de joueurs sur le serveur et presque autant sur l'aéroport je pense. J'ai un sniper avec 4 balles et une petite lunette et voilà, on va tenter de faire un truc. Donc je vous propose cette vidéo parce que j'ai pas le temps d'en faire une plus conséquente et que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, c'est quelques jours déjà. Voilà, je me suis dit que vous allez gueuler. Non, par contre, faudrait que j'arrive à me repérer. Je sais pas trop où je suis. Je sais pas si je suis au-dessus ou en dessous de l'aéroport. Je devrais pas être dans cette plaine, en fait. Enfin, bref. Les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle, moi, je suis en partiel. Pour ça que j'ai pas le temps de vous proposer de vidéo. Et voilà, en gros. Ça vous suffira. Ah, oh, c'est bien ça. Un site de crash d'hélico. En général, je crois qu'il y a des super armes dessus. On va aller fouiller ça. Et ouais, l'aéroport doit pas être trop loin. Je viens de trouver. Alors, en espérant qu'il y ait personne qui surveille, personne qui soit dedans, ou personne qui ait déjà récupéré tout ce qu'il y avait d'intéressant, quoi. Ce serait plutôt cool. Alors, en avant. Voyons. Des lunettes, on s'en contrebranle. Oh, ça va, on s'en contrebranle pas du tout. Alors ça, c'est très bien. Hop, hop. On va les défoncer. Non. On va les défoncer. Bon. Ça va aller. Ça va aller. Donc, hop, on va prendre les chargeurs. On va attacher le 40. Voilà. Quand je vous avais dit que c'était cool. Hop, ça en remplace. Soit. Je crois que je peux. Non, ah si. Voilà, maintenant du coup je peux mettre ma bipod. Que je vais déployer. Et ça. Ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Damage contre Justine. Je garde la Justine. Même si c'est pas le même modèle. Celle que j'ai me va. Une boîte de munitions vide, un pistolet. Qu'est-ce que j'ai moi comme pistolet? Faut que j'ai un truc là. J'ai rien. Merde, parce que c'était pas sur ce vie. Allez hop, on embarque. Est-ce que j'ai un truc pour rentrer dedans? Une balle. Bah je sais pas. Allez, on s'enfuit. On va se barrer. Chamber. Ah si, c'est bon. Donc hop, là j'embarque. Ok. Alors, j'ai peut-être m'allonger et essayer de sniper un mec. Bon, j'ai pas une lunette assez précise, je pense. Du coup, on va se barrer. On va se barrer, clairement. On va faire un truc, on va faire hop. Hop. Là, et hop. Voilà. Du coup, maintenant, on se balade avec ça. Parce que c'est un viseur dégueulasse, mais bon, ça ira. Allez, en avant. Du coup, où est-ce qu'il est l'aéroport? Je suis dans ce champ. D'abord, si je vois pas quelqu'un au loin. Ok les gens, je vais chercher un peu et on se retrouve en suivant. À tout de suite. Merde, pas tout de suite. Voilà, tout de suite. Re les gens, donc nous voilà en vue de l'aéroport. Il est là, il est beau, il est pimpant, il est fringant. Et ça va être tendu. Parce que je ne sais pas par où je vais passer, ce que je vais faire, avec quelle arme. Si on fonce, si on fonce pas. Parce que c'est sûr, il y a du monde. Avec un mec, voir un mec accroupi, c'était un pli du mur en gros. Alors. Ouais. Il y a du monde, ouais. Je suis en train de regarder, hein, certains qui ont des pseudos, genre deux teams, c'est-à-dire avec un truc entre crochet puis leur pseudo, et ils sont plusieurs, genre il y avait les Boa, il y en avait deux ou trois. Du coup, eux risquent d'être ensemble, et s'ils sont ici, faut que je m'attende à.
faut que je m'attende à tomber sur deux ou trois mecs ensemble, quoi. Bon, alors, on a la barrière, la palissade extérieure, quoi. Du coup, on n'est pas tout à fait encore dans l'aéroport, mais... on peut pas être plus près, quoi. Allez, en avant. J'ai donc un petit snipe 100 balles, quasiment. Enfin, avec 4 balles, quoi. Tendu. Hésite à traverser là, comme ça, comme un gros crevard. Je sais pas... Oh, si, ça doit peut-être passer. Je sais pas si je vais pas me retrouver en plein milieu de la piste sans aucune couverture. Non, ça a l'air d'aller. J'espère qu'ils sont pas trop surveillants. Puis on va s'avancer en rampant après. Dans les arbres. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va s'arrêter là. Là. Hop. Et hop. Sors le snipe. Alors. Aïe. Instant, ouais. Instant, j'ai rien vu du tout. Donc hop, on va pouvoir ranger ça. Et reprendre Take into hands. Voilà. Prendre ça. On se grouille. Là, on va avoir besoin de tout pour pouvoir s'en sortir. Que ce soit de la chance. Mais aussi de la vigilance et de la précision. Est-ce que... Non, pour l'instant je vois personne. Mais c'est pas parce que je vois personne que personne ne me voit. Aujourd'hui je vous fais des phrases spirituelles, les gens. Ceux qui ont pas fini de passer leur bac, déjà bravo, j'espère que c'est bien passé. Vous êtes contents. Ensuite je vous remets les pieds dans la philo. La philo. Ah, c'est très malin ce qu'on est en train de faire. Il y a personne. Oh, je suis tellement mal planqué, je pense. Le mec qui regarde le buisson, il me voit obligatoirement. Désolé, je crois que j'ai mis des bêtes dans le micro à répétition. Bon, écoutez, on va foncer. En avant, on est là pour crever. Vous voulez voir du sang, je m'en doute. Lui, il veut pas rengainer, forcément, vu qu'il est un connard. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, take two hands. Et en avant. La question c'est où sont les mecs. Je pense que les hangars c'est trop casse-gueule. Ça a rien que j'y aille. Que je fasse le grand tour, que je me mette devant. Si y a un mec qui est rangé dedans, je suis dead. Je sais que c'est un petit peu pareil pour les bâtiments et c'est ce que je vais aller fouiller. Mais au moins là j'ai une chance de pouvoir tirer, quoi. Alors que là si le mec est allongé déjà, ben, tout le monde me voit. Ensuite c'est trop la merde. Trop ouvert, je peux pas couvrir assez d'angle. Niveau vision. Et la pression, la pression. Putain de militaire qui pouvait pas mettre un petit trou à l'arrière du hangar pour contrer. Chier, quoi. Bon, plus... du soleil. Caserne, j'ai pas vu de mouvement, même si j'ai pas regardé longtemps, hein, mais juste en ayant jeté un œil comme ça, je n'ai absolument pas vu de mouvement. On va la tenter. En avant.
l'instant, ça se passe. Hop. Ça c'est cool. Le certes, oh, je crois que oui. Merde. Éjecte. Merde, c'est pas le bon. Putain. Chier. Hop, voilà. La boussole. Bon, tant pis. Non-need, on va dire. On a très bien un casque balistique. Voilà. Ok. C'est que ce pistolet FNX 45, est-ce que ça rentre? Non. Bon. On va faire notre pute. Le classique, ça. Je vais prendre dans la tranche si je visais ce bâtiment. Et. Là aussi, ça m'a l'air safe. Tiens, c'est fou, les personnes. Il y a juste personne d'imprudent. C'est possible aussi, mais oui, pour moi, c'est sûr qu'il y a du monde. Bon, écoutez. Personne de repéré, on va bouger. Hein. En avant. Putain de Facebook. Ah ouais, c'est vrai. Hop. Et hop. Gant. Et on repart. Ah, la joie et la bonne humeur. Allez, en avant. L'instant. Les messieurs sont pas méchants. Ok, on a pu fouiller un bâtiment. Pas plus mal. Celui-ci peut être cool à fouiller, mais. Tout traverser et tout, ça me tente pas, je préfère celui-là. Il est encore plus dangereux, je pense même, mais bon. C'est pas grave. On fonce. Allez, go. Je sens pas ce bâtiment. Je ne le sens pas. Bien ça, allez hop, ça c'est pour Bibi. C'est pas normal que ce soit fermé les portes. C'est des mecs qui les ont ouvertes puis refermées, en général ce qui se planque juste derrière. Genre celle-là, je sens qu'il y a un mec derrière. Côté, check. Check. Ok, parfait.
Autant pour moi, c'était sûr. Ah, bien ça. Allez, vite, on échange de pistoles. Ah, c'est vrai, d'ailleurs, j'ai paumé mon autre pantafut. Je sais pas où il est. Du coup, j'ai paumé ce qu'il y avait dedans. What? What? J'ai été tué par le jeu. Le fait de glisser l'arme dans mon inventaire m'a tué. Il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a personne qui m'a tapé. Regardez en bas à gauche, ma jambe me fait mal. Ma jambe me fait très mal. Et je suis mort. Putain, ça m'est arrivé il y a 2 jours à peu près pareil. J'ai peint une arme avec une bombe de peinture pour lui mettre un camouflage. Et ça m'a tué. Oh, le bug. Bon les gens, vive l'alpha, j'espère que cette vidéo buggy vous aura plu. On n'a rien fait, mais c'est pas grave. Gros bisous sur les fesses à tous et à bientôt.